Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la dernière vidéo un peu tuto équipé. Donc là on va parler du deadlift, donc le soulevé de terre. Donc avec Caroline Sionné. Soulevé de terre, dernier mouvement, dernier mouvement en row, dernier mouvement en équipé. Et certaines particularités avec du matériel qui peut utiliser, être spécifique, différent et qu'on va voir tout de suite avec vous. Allez, on se retrouve tout de suite à la salle. Alors moi personnellement, comme je vous disais au squat, donc je pense que tu verras ta référence quand tu mets la combinaison de squat, moi je mets ma combinaison de squat à la main, donc plutôt taille grande, donc 38, et malgré tout, donc l'idéal ce serait de tirer en WS, wide side, parce que sumo, mais moi avec le RS ça va parce que j'ai plutôt un mi-sumo, donc je ne suis pas une prise très large, donc ça me gêne pas trop par rapport à l'angle d'ouverture, sur la wide side, regardez ici c'est plus ouvert, ça permet d'ouvrir complètement. Moi, la différence en tout cas entre mon mi-sumo row et mon mi-sumo équipé, c'est que j'arrive à gagner 5 cm de chaque côté. Je reste malgré tout en mi-sumo par rapport à d'autres, par exemple un simple qui est complètement en sumo et qui est au maximum. Moi, je reste malgré tout en mi-sumo. Il existe différents types de combinaisons. La plupart que vous devez voir, donc il y en a qui mettent pareil, la combinaison de squat à l'envers, donc RS et WS. Voilà. Ou WS, donc là c'est chacun comme on le souhaite. Et après la plupart c'est des Velocity. Velocity, donc il existe conventionnel, donc c'est bien évidemment du tradit, donc là il est conventionnel si on doit marquer dessus, et sumo, donc qui permet aussi à l'arrivée. Donc la plupart tirent en Velocity, ça c'est la meilleure. Bon, il faut savoir, comme vous disiez, le matériel ça a quand même un coût. L'idéal c'est de débuter par du matériel qui est un peu utilisé ou un peu grand, donc c'est pour ça que c'est compliqué quand on veut débuter par du grand et aller dans le plus petit, donc ça doit avoir plusieurs combinaisons, ça coûte cher. Par exemple la Velocity, ici si on est en France, elle coûte entre 200 et 300 euros. Voilà. Donc c'est un certain coût quand on doit avoir plusieurs tailles de combinaisons en fonction de son poids du corps. Moi par exemple, il y en a qui s'entraînent au poids du corps, moi je ne m'entraîne pas au poids du corps. Donc ça nécessite aussi, c'est pour ça que je mets les combinaisons qui sont plus larges. Alors moi j'aime bien pour me prendre de main, pour me libérer tout ce qui est devant. L'idée ça va être de rester dans les épaules plus droites possible pour après, ben, pareil, chercher cette tension dans la combinaison. Donc, différents types, il y en a, on voit de plus en plus. Ça va être très difficile à descendre, donc, vous voyez, donc on peut y aller. Il y en a qui font très doucement pour venir chercher là, et naturellement en tension, la montée. Ça paraît même principe que ça, très doucement à descendre et après on a l'intention et là ça monte. Et il y en a au contraire qui viennent, c'est même parce qu'on ne peut pas, tellement on est serré dans sa combinaison. Donc il y en a, on va le voir ici, et après qui viennent chercher la tension en se mettant. Et là on voit de manière naturelle quand je me mets en tension. Bon, ce qui va être compliqué, c'est de gérer la vitesse. D'ailleurs, tu parlais de vitesse. Genre, en fait, tu as beaucoup de tension en bas du mouvement, mais en haut, tu n'as plus beaucoup de tension. Comment tu arrives à gérer cette différence de tension? On peut le travailler par des blocs, avec ou sans matériel, en mettant aussi, pareil, en enlevant le bas de combi, et en mettant des charges plus lourdes à l'entraînement. Et pareil, ça se gère. Alors, la combinaison qui va être plus ou moins serrée. Il y en a qui aiment vraiment être très serré et ça a encore plus de gain, mais du coup on est un peu plus en tension vers l'avant. Et comme moi, il y en a qui aiment être un peu moins serré. Et donc du coup, ma finition après les genoux, je sais que c'est moi seul, on va dire ça, la combinaison qui l'a fait seul. On est de retour du coup maintenant. Caroline voulait revenir sur deux trois petits trucs, deux trois petits détails qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure à la salle. Donc dis-moi en plus un petit peu sur ce mouvement. De la même manière que les autres mouvements, il y a des mouvements d'assistance, d'accord? Donc certains peuvent appeler ça du mi-distance, donc c'est-à-dire on positionne la barre un peu plus haut. Exactement. Il y en a qui font du surélevé. Moi j'estime que le surélevé, c'est-à-dire la barre est plus basse, est beaucoup moins spécifique, donc personnellement je n'en fais pas. Mm-hmm. Voilà. Après du statodynamique, donc c'est-à-dire en mettant, en faisant l'arrêt, donc ça c'est comme du row. Et l'une des spécificités aussi, donc on n'est pas obligé de travailler toujours avec toute la combinaison entière.
Donc généralement, il y a aussi beaucoup de travail qui est fait qu'avec le bas de la combinaison. Avec le bas et du coup la ceinture pour maintenir une certaine tension et arriver à se positionner et trouver le bon angle pour pas aussi être... Ça tire sur l'avant. Hein, exactement. Donc en fonction, alors moi, personnellement, on me tire la combinaison vers l'avant, puis on me tire pour pouvoir avoir de l'espace devant. D'accord. Et pouvoir arriver à bien intégrer mes épaules. Voilà, pour pas que je sois trop là. Sinon tu arrives en haut et tu ne peux plus finir le mouvement. Quoi. Exactement. Mais c'est moi encore une fois, je l'ai souvent dit et sur chacun des mouvements, chaque athlète a sa technique, chaque athlète fonctionne de manière différente. Donc moi c'est ma manière à moi de faire et ça me convient à moi. Par contre peut-être ça ne conviendra pas à d'autres personnes. Je vois. Bah, d'ailleurs, deux petits extraits différents donc, de tes avant-derniers championnats du monde du coup à Halmstad. Du coup tu pars sur l'avant et tu rates 177. Du coup, ben, tu es un peu déséquilibré. Du coup, mais juste après l'extrait, du coup, ben, 182 du coup, à Dubaï. Avec des combinaisons différentes. Vous verrez. Alors, elle est plus grande à Dubaï. Hein, tu plus grande à Dubaï. Donc, j'avais une taille 34 et qui était une Velocity à Amsterdam. Et pour le coup, j'avais une 38, celle qu'on a vue tout à l'heure. Et du coup, du squat, donc mis à l'envers. Donc deux tailles au-dessus. Ça, donc on dit faut être extrêmement serré, mais pas forcément du coup. Voilà, alors moi, je préférais avoir un petit peu plus de liberté et d'espace, même malgré tout, dans peu de temps, j'arriverai à être un peu plus serré, mais il faut y aller petit à petit pour pouvoir arriver à sentir et en étant plus serré, à rester bien droit et pas se sentir amené par le matériel. Ok, très bien. Bien, ben, on a fait un petit peu le tour de ce mouvement. Ben, merci Caroline. D'abord, je vois le jeu bah, sur ces vidéos un petit peu explicatives du sport de powerlifting qui est pas très très connu, on va dire, en France. Qui est méconnu, qui fait peur, avec beaucoup de préjugés, je te le disais avant, j'en fais partie. Ouais. J'en fais partie la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit mais jamais je mettrai de matériel. La première fois qu'on m'en a mis, je l'ai enlevé, j'ai dit mais jamais j'en ferai, jamais je n'en mettrai. Et j'ai vraiment changé d'avis. Mmh. Et je trouve vraiment énormément de plaisir à pratiquer pour moi cette discipline qui est, c'est les mêmes mouvements mais pour moi c'est une pratique différente, et je te le disais, donc je fais du rugby, c'est comme si on différenciait le rugby à 15 et à 7, donc des ressources du joueur, en tout cas là de l'athlète qui sont différentes, et alors il y en a qui arrivent à faire les deux, mais très peu, et c'est pour moi c'est un peu la même manière, c'est des similitudes mais aussi beaucoup de spécificités avec beaucoup de techniques et beaucoup de gens qui croient qu'il suffit de mettre le matériel et que ça se lève seul, c'est pas du tout le cas. Non. Comme je disais tout à l'heure en off, on voit beaucoup de personnes fortes en row qui n'ont pas de technique entre guillemets et en équipé on ne voit jamais ça, c'est vraiment au millimètre près, c'est réglé au millimètre près, si on n'est pas dans la bonne trajectoire, c'est cuit, on ne monte pas la barre. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc c'est un peu un travail d'horloger. Vraiment tout régler au millimètre, comme on disait, les coutures, les angles, etc. Donc, exactement. Chaque matériel se customise et on ne peut pas arriver à le faire toujours en fonction de son poids du corps. Par exemple, ça aussi, il y en a qui cotent, il y en a qui ne cotent pas. Ouais. Et le matériel, en fonction de comment on est, il faut arriver à savoir le jour J. Donc, par exemple, moi, je fais un régime où je suis toujours plus lourd. Donc, arriver à savoir comment je vais être lors de la compétition et arriver à refiler ou se réhydrater. Et c'est différent en fonction aussi du nombre de groupes, en fonction du dans quel groupe je vais passer en premier, parce que si je passe dans le premier groupe, je vais pouvoir remonter à 59 kg. Si je passe dans le second groupe, ben, je vais pouvoir peut-être remonter à 60 kg. Oui. Donc je vais pas être. Ça sera pas la même forme. Exactement. Donc c'est ce genre de détails, ça se prévoit et ça s'anticipe. Oui. Aussi. Mais en tout cas, j'espère. Merci pour m'avoir accueilli pour faire ces tutos de l'équipé. J'espère que ça va donner envie à des gens d'essayer. Vraiment. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde, des gens qui s'essaieront dans des salles et participation après au championnat de France et au championnat à chaque fois de région. Exactement. Voilà. Bah, du coup, si vous aussi bah, vous testez un petit peu l'équipé, n'hésitez pas à envoyer des vidéos à Caro, il sera ravi de vous commenter un peu de technique. Conseiller si je peux. Si je peux le faire. Si c'est possible. Et sur différents points qu'on a évoqués, notamment dans cette série de vidéos. N'hésitez pas également à la suivre sur Instagram, elle poste souvent des vidéos ou en row ou en équipé, donc c'est très intéressant à suivre. Et merci à toi encore et on se dit à bientôt
sur les nouvelles compétitions. Exactement. Rendez-vous à quel championnat? Surprise. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt.